Bah ben salut à tous. Enfin, bon ben, on est confiné, mais il y en a toujours du travail. Il y en a toujours du travail. Même si en ces cas de crise, bon ben voilà, c'est comme ça, hein. Ça, la vie s'arrête pas, hein. Bon. Je vais régler les soupapes. D'accord? Voilà. Donc j'ai remonté les culbuteurs, donc tout, voilà, tout va bien. Hop. J'ai réglé, bon, allez hop, comme ça c'est frais, c'est prêt. Donc là, pour ceux qui, et hop, je prends du, j'espère qu'il va, ouais, voilà, 0,20, hein, qu'il n'y ait pas de 0,40, 0 machin, 0,05, 0,02, 0,07, hein, mais lui il roule en Aston Martin, donc ça va, c'est cool. Alors, ma cale de vin et je suis là au point Moreau, ça veut dire que j'ai mes soupapes qui sont en bascule, hein. Et donc je vais balancer ma cale, mon vin passe, elle nage un petit peu. Bon, je vais décaler un petit peu, juste vraiment le. Je vais juste donner juste un tout petit peu de, un tout petit peu moins de jeu. Ce qui me fait chier, c'est que les boulons sont tellement pouilleux que les boulons sont tellement pouilleux que je peux même pas ajuster comme je veux, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai bien nettoyé avant. Voilà. Et tu vois là déjà, la cale de vin, elle passe, mais c'est. Voilà, la cale de vin elle passe, hein, elle passe bien, elle passe dedans. Si je la lâche, elle reste. J'ai un vin serré. Voilà. Je desserre un petit peu. Voilà, là je suis un peu plus libre. Voilà. Là si je la lâche par contre, elle tombe. D'accord? Je suis, pour moi, je suis pile poil. Je ne vais pas aller plus loin. Donc maintenant, je vais bloquer avec ça parce que. Parce que bah. Les boulons que j'ai, même des boulons qui sont en très très bon état, ben ils sont tous arrondis et en fait du coup, hop, moi je bloque, ça bouge plus. Oh, c'est juste pour que ça bloque. Hein. Voilà. Parce que là, un coup ils te mettent du 13, un coup ils te mettent du 14, un coup ils te mettent. En fait, ils savent pas trop les mecs. Là. Normalement, je suis bloqué là, donc ça bougera pas. Voilà. Ok. Petit contrôle. Voilà. J'ai un vin. J'ai un vin un petit peu un, normal. D'accord? On entend le bruit. Moi, pour moi, je préfère que ça cliquette comme une dedoche. Plutôt que ça me fasse comme j'avais fait une fois et que ça reste fermé et que en fait la soupape restait ouverte et je démarrais plus. Et pareil, je passe de l'autre côté. Hop, là je sais que là j'ai moins 50. Donc là, on va tourner, hein, on va fermer. On va refermer. Fais chier avec ces clés, putain, sans déconner. Leur boulon à la mormoille, hein, tu m'as compris. Tu mets du 10, ça passe pas. Tu mets du 11, ça passe pas. Et en fait, je suis con. J'ai des clés américaines. Ha. Et. Dans les clés américaines. Dans les clés américaines, il existe le petit. C'était 7/16e. Je crois que c'est 7/16e qui correspond à 10,5, je crois. Tu vois, là j'ai encore. Voilà, celle-là. Ça, c'est une clé de 10 normale et elle passe.
Parce que c'est pas une. Les autres, je travaille avec du SAM. Et en fait, celles-là, ben, elles ont un petit peu plus de jeu. C'est bon, ça passe. Sinon, j'ai celle-là. La 7/16, c'est pas bon. Celle que j'ai. Mais j'en ai une là. C'est quoi ça? Ça, c'est une clé Russia. Oh la vache! J'ai une clé de Russie. Oh putain. Ouais, une clé de Russie qui correspond à combien? Ah, je sais pas. Russie, mais Russie, c'est une vraie. Ok, bon, on va garder celle-là parce que celle-là, elle passe. Allez, donc là, elle est où? Elle est là. Donc là, fallait que je referme. Fallait que je referme un petit peu. Donc, on va fermer. Hein. De toute façon, tu le sens hein, quand. Voilà. Hein. Hop, je regarde, je fais un petit contrôle. Ok, dedans. Là, elle tient. En fait, là, si je lâche, ça tient. Je suis toujours à 20. Hein. Si je donne un tout petit peu. Voilà. Là, elle tient plus en fait. Voilà. Si je lâche, elle tombe. D'accord? Mais je suis. Pour moi, je suis pas trop mal. Je vais la conserver comme ça. Hop. Voilà. Là, elle est serrée. Tu vois? Là, elle tient. Et là, elle tient aussi. Voilà. Voilà, pour moi, elle est bien, d'accord? Donc là, je vais bloquer. Là, je prends une autre clé parce que là, c'est, tu vois, c'est plus du 14, c'est du 13. En fait, il faut un petit peu comme ils veulent, quoi. Je vais passer en approche. De pas trop bouger ma clé hein. Mais bon normalement une fois que c'est calé c'est l'avantage de pouvoir travailler comme ça. Un petit contrôle vite fait, je lâche en bloqué. Voilà, j'ai un 20. Voilà, tu vois, si je lâche ça tombe, j'ai un 20 large. Voilà, j'ai un 20 qui est pas du pinard, hein. Un vin, on va dire que on appelle ça un vin gras. Hop, là, je bloque. Là, c'est 13 d'un côté, pas de l'autre. Là, c'est 13. Je suis sûr que. Il a que 12, elle passe pas. Si tu mets 12, ça passe pas. Ok, donc là, ça bougera plus. Ça bougera plus. Et donc, à la fin, je recontrôle quand même. Toujours pareil, hein, j'ai mon petit. Il fait un peu moins de bulles. Là, je dois avoir un petit peu plus. Non, non, mais c'est ça. Non. De toute façon, ouais, c'est bon, j'ai le même. De toute façon, je les réglerai quand. Dessus. Donc là, maintenant, là, c'est bon, hein, on est d'accord. Donc, on va tourner. Donc là, je suis en point moreau ici, au voyant, au petit hublot là, point moreau, d'accord. Je vais mettre en bascule de l'autre côté, d'accord, parce que l'autre côté, en fait, tu en as une qui est super large et l'autre qui est déjà en appui. D'accord? Donc là, on va tourner. Je vais faire un petit repère au feutre. Voilà.
ça, je ne cherche pas à chaque fois. Comme ça, je ne cherche pas à chaque fois. Donc, ça veut dire que là, je suis en plein centre. Ça veut dire que mon repère, il est ici, là. Voilà, ici. Je vois de là. Voilà, donc là, je sais que j'arrive au point moro. Ok, alors on fait un petit tour, sens de rotation. Hein. Donc, le sens de rotation, il est comme ça. D'accord. Donc, on y va. Là, admission. Il va me faire échappement. Hop, échappant. Et là, hop, il arrive en relâche. Ça veut dire que là, je vais contrôler où il est mon point moro. D'accord? Hop. Ça veut dire que là, c'est quoi? Normalement, je dois être pile poil dessus. Il est arrivé tout seul. Donc là, je regarde, hop, c'est bon. Et tu vois, là, ce côté-là, je suis un peu serré. Et là, ce côté-là aussi. Allez, hop. Là, on est bon. Donc, il est au point moro, il ne bouge plus. D'accord? Ok. C'est un peu plus de bruit. Hein. Moi, j'avais mis de l'huile un peu de partout, donc ça bouge bien. Ça va. J'aime bien. Alors, on y va. Hop, là, je suis bloqué, d'accord? Là, là, ça va, pareil, avec un peu de jeu. Et ben, la poule. Qu'est-ce que tout me fait? Voilà. Hop. Celui-là, il est coriace, hein? Au moins, je sais qu'il ne bougera pas. Et là, tu vois, même là, je suis pas loin. À force, tu arrives à les faire quasiment un coup touché, tu sais si c'est bon ou pas. Donc, là. Là, tu vois, là, on n'est pas bon, ça passe pas. Là. Là, ça passe pas. Ok? Alors, ben, du coup, on ouvre. On a un poquet Thomas. Hop. Là, je ferme. Voilà. Là, regarde. Là, je bloque. Ça ne bouge pas. D'accord? La canne, elle ne tombe pas. Juste. Voilà. Je veux la même. Je veux pareil que l'autre côté. Si je lâche la canne, ça tombe. D'accord? Pareil que l'autre côté. Donc là, ce que je fais, je prends ma petite clé de vis. Hop. Je vais, hop, là, je bloque. J'évite que ça bouge. Hein. Voilà. Je vais me mettre en approche. Fais un petit contrôle. Voilà. Si je lâche, ça tient. Comme c'est pas serré, j'ai juste mis en approche. Ce que je fais. Putain, c'est pas la bonne clé. Ce que je vais faire, c'est que il n'est pas serré le boulon. Je veux juste le mettre pareil que l'autre. Ça veut dire que là, je vais faire ça. Voilà. Et là, elle tombe. D'accord? Ça ne joue pas beaucoup, hein? Voilà.
Hop. Là, elle bouge plus. Je remets un petit peu en arrière. Que ça tourne à chaque fois. Là, si je lâche, hop, elle tombe. Voilà. Donc là, maintenant, je bloque. Je bloque. J'aimerais bien trouver ma clé de 12 là. Ah ben voilà, parce qu'on va s'emmerder la vie. Voilà. Et là, je le maintiens. Et je bloque. Petit bruit sympathique. J'aime bien. Allez. Alors là, on entend plus le bruit de la tige que autre chose. C'est normal, hein, parce qu'elle est super libre. Elle tombe vachement bien dedans. Putain. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, la cale. On a. Donc là, on n'a pas 20, hein. Du tout. Du tout. Donc on va y mettre 20. Là j'ai 20, si je lâche, d'accord, ça tombe pas. Je vais mettre moi de façon à ce que si je lâche, voilà, si je lâche, il tombe. D'accord? Hop, voilà. Voilà. J'ai un 20 gras. Allez, hop, on bloque. Je maintiens avec ma clé, comme ça bouge pas. C'est tout con en fait, hein. Voilà. Je bloque ma clé. Et voilà. Et après, je refais un petit. Voilà. J'ai le même vin que tout à l'heure, d'accord? J'ai un vin gras. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon moteur comme ça. Point moro, d'accord? Je vais faire un tour. Hop, échappement, admission. Hop. Et hop, normalement je suis en explosion, d'accord? Voilà, tu vois, sans le regarder, le voyant, tu le vois de suite. Pareil, je refais un tour. Comme ça, parce qu'il est serré juste à approcher. On refait un tour, allez, hop, échappement. Là, c'est admission, tu vois. D'accord? Ah, échappement. Et là, tu le sens. Le tour est là. Hop. Et le point gros. Voilà. Voilà. Les soupapes sont réglées. D'accord? Voilà. On va passer à autre chose. Là, les soupapes sont réglées. Là, ici, j'ai plus rien à y foutre. Donc, je vais refermer. Je vais fermer et après je vais passer. Non, je ne vais pas fermer tout de suite. Je pense que je vais bloquer le volant moteur. De toute façon, il faut que j'enlève parce qu'il faut que je mette mon petit pion derrière là. Bloquer, après je bloque le volant moteur. Léger, un peu forcé.
Et après, je vais passer à l'allumage. Voilà. Allez, à tout à l'heure.